Hop là, et salut salut les amis. Hop, aujourd'hui on va aller chercher du gros matériel. J'ai acheté du gros matériel. Donc allez, on va aller chercher tout ça. Et c'est parti. Je repars sur la route. Dans mon logiciel, c'est un peu plus rapide. Mais... Il y a quoi sur ce champ-là? Ça c'était betterave. Ouais. Ça, ça sera pour la prochaine fois. Voilà. Pas grand chose. Allez, je suis sûr. Le matériel. Hop, le cochon, on de retour. Après la masse est en route. On ramènera une benne. Ça, j'amènerai pas la route. Ça va pas se faire chier parce que c'est un peu large. Et donc, moissonneuse, ça va pas aller trop loin. On va aller là. Hop. Et sa barre de coupe. La barre de coupe de l'ensilage. Enfin, de la. Et voilà. Ouais, il a neigé un peu. Hein. Donc j'ai récupéré la neige. J'ai mis là. À l'autre champ. Ça va, tranquille, on va faire ça. Je pensais que c'était moins large que ça, mais ça va, elle est assez large la route. Je suis juste en face là. Si je ne tombe pas. Je vais survivre. On va se serrer un peu.
Ouais, je crois. On va commencer. Ah, le chien est comme ça, donc. Il n'y a pas beaucoup de rendement à faire. Hein. Je l'ai dit direct. Hop là, pour l'instant. Pour l'instant. Ça lui a ramené une peine. Ouais, il est nouveau à top. Hein. Le lait, ça rapporte assez bien maintenant. Là, je suis à combien de litres? 72 000. La place là, j'ai presque plus rien à bouffer. Là. Je vois que je m'en occupe un peu plus. Ça. On va s'occuper des animaux. On va faire le tour de machine. Voilà. Un essor à la moissonneuse. On se prend que des animaux. Il faudra une troisième benne, puis une deuxième benne. JCP, ça roule assez vite. C'est ce qui vient. Hop là. Alors, l'eau c'est bon. L'eau c'est bon. Il faut donner de l'eau au mouton. Ouais, j'ai pris la grosse queue. Au moins, je sais que là. Je sais que là, j'en aurai assez. J'ai des pâtes aussi à vendre. Ça, ça rapporte aussi. Là, on se salue. Alors, côté flotte, c'est bon. Donc, la superbe, elle, on va aller manger. Ouais, j'ai vendu mes bennes e-trainer. Ça
C'était bien pour le départ, mais c'était pas assez gros après pour la suite. Pour la suite, c'était pas assez gros. Là, il me fait une autre benne. C'est ça. Et il me fait une autre benne assez grosse aussi. Hein. Il me faut une grosse benne, plus un gros tracteur. Parce que le JCB il est bien, mais il est vite, mais il est pas très puissant. Donc on va et prendre de, on va aller retirer de l'argent. Là on va le retirer au maximum. On a presque 500 000. Enfin non, on a 500 000. Alors en benne, on va la prendre la plus grosse. On va prendre la plus grosse. La plus grosse, elle fait 50 000. C'est celle-là. On va prendre celle-là, ouais. Hop, acheter, ouais. Et ben, c'est 400 000 là. Et à 400 000, on peut acheter un bon gros quarter. On va peut-être m'acheter le mon préféré. Soit comme celui-là, soit en black. 939. En roue large. En roue large, ouais. Voilà, et là, par la suite. Par la suite, qu'est-ce qu'il me faudrait? Par la suite, c'est bon pour l'instant. Ouais, pour l'instant, c'est bon. Hop, on va vite en baisser un petit peu le prix. Hop, on va se mettre là, à 5000. Voilà, hop, celui-là, c'est bon, celui-là. C'est un peu bordel. Hein. Hop, on va quitter la benne. On va le finir à l'intérieur. Ouais, en black édition pour mal. Allez, c'est parti. On va acheter du matériel, hein, tant que c'est l'entreprise à s'agrandir. Vu que le lait rapporte assez bien. Franchement, je suis surpris par ça. Le lait et la laine rapportent assez bien. Hein. Après, j'ai fait un peu de la F. La F quoi. Le temps, je crois que je passe pendant une heure, je passe le temps à 120. Et plus on avancera dans le temps, plus on aura des vaches, donc plus de base donc plus de lait. Pareil pour les moutons, on aura plus de moutons mais plus de laine. Donc ça va beaucoup plus vite. Hein. Là on va mettre ça dessous. Dessous la trémie là. La neige, moi, je sais pas ce que tu vas en faire en fait. Pour l'instant, reste là, mais...
phare, c'est bien dessous toi. Ouais. Moi j'ai CB. Yeah. Ah oui, faut gagner la neige. Hein. Je sais pas comment faire. Je vais nettoyer un peu la ferme avec. Je vais manger ça dans les pattes. Alors, on va curer les vaches. Donc, là, il est là, là, là. On va manger après. J'ai vu qu'il n'y avait plus de d'herbe dans, dans mes silos. Donc j'en refasse aussi. Ok. Là, il y en a un sacré tas. J'en ai combien en tout? Une vache fumier. C'est oh, 52 000. On va se voir vite. On va une bébé. On a. Ok. Alors j'arrive. Oh, on n'a pas le bon, dans le bon sens en plus. Ouais, pourquoi ça arrête, je sais pas. Tu fais comment? Tu te prends dans la terre, Guillaume? Voilà. Au moins, elle s'est tournée. J'ai oublié de mettre de l'eau à côté map. Ouais,
Ciao. L'intérieur quand même. Ah, le truc est plein, ok. Très bien que la 4 un petit peu. On va mettre ça aux tomates. Peut-être de suite derrière la vidéo, je lance un live peut-être. Un petit bout. Voilà. On va mettre ça au tomate. Passe. Et tomate. C'est à 100% ça, non? Ah non, pas tout à fait. Oh, ça va, il y a encore un peu d'eau. Après, ça m'en avait. Allez, hop. Si je teste pas mon balai, ça marche pas non plus. C'est bien ça. Voilà. T'as pu l'éteindre ou quoi? Voilà. Ça, c'est plein. 50 000 tonnes. Ça fait 4 000 litres. On verra ça plus tard. Moissonneuse. Ça va, tranquille toi. Qu'est-ce qu'on peut transférer à la ferme? Il y avait autre chose aussi. Je crois qu'il y avait un semoir. Voilà. Et si je ne me trompe pas. Maintenant j'en prends un champ. Si, si, si. Allez, on voit un peu le champ, enfin, qui vit le champ. Je crois de la bois. Je n'ai pas beaucoup comme le champ là.
mieux. C'est nickel, ça se fait. Voilà, c'est un religieux frère. C'est une putain de marque bien connue. Je crois qu'elle fait 6 mètres. Donc c'est pas trop cher. Ah, c'est juste. C'est pas trop cher en plus. Allez, on va mettre ça. En route. Ça ne perd pas de temps, on plante directement le maïs. Et pour la prochaine fois, il y aura du maïs et des. Et des pommes de terre. Non, c'est pas des pommes de terre, c'est des betteraves. Récolter. Donc, on va faire une petite séance de. Avec un nouvel repas. C'est sympathique. Et voilà, je suis toujours à la recherche d'une. Des gens, si quelqu'un veut venir jouer, il est où, trop cool. Hop, le pétourage, je crois qu'il monte dans l'herbe, quoi. J'ai connu, c'est un peu con. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il y avait là, à la ferme à ramener? Ça c'est un porte-char, ça ça va pas la route. Tac, ça ça va pas la route. J'ai un sac à véhicule en place. Et ça ça veut pas notre tracteur. Enfin, ouais. En fait j'ai juste encore un truc à charger quoi. Ouais, c'est la repartie là. Le tout magnifique tigre qu'il y a dessus. À l'intérieur c'est magnifique. Moi je trouve que ça, avec l'éclairage, c'est déchirant. Côté rétroviseur, ça va. Ça va. Ouais, c'est grave. Ouais, à l'heure c'est pas mal. Et la température en dessus là, il fait 19 degrés. Ouais peut-être. Je sais pas si ça change ça. Ah, je refors. Et c'est parti, on va donner ça. Je pense que c'est. Non. Allez, on amène ça à la ferme. Ça c'est la ferme là. Avec ce genre de machine là. Franchement l'éclairage à l'intérieur. C'est éclairé. Et là c'est éclairé. Sympathique. Ça roule assez bien. 45 km pas presque. Dommage que la caméra là marche pas. J'aurais bien aimé. Ouais.
manque pas un truc quoi. Il manque pas quoi. Ouais, il faudrait qu'il nous rate la vite. Hein. Mais j'ai bien fait de m'arrêter. Enfin, peut-être j'en ai pris peut-être un peu, mais... que 6 mètres ça vite hein. Je sais pas si c'est 6 mètres. 6 mètres ça me paraît petit là. Ah non, 6 mètres. Ok. Ok. On était où moi? Ah j'étais là. Allez. Mais toi arrivé de toute façon. Tant mieux, juste derrière la vidéo, je lance un live. À Plax, les Battlerons vont faire en palette. On le fera en direct en palette. Bon, il faudra que je m'achète un plateau. Avec un Fenwick. Et en plateau, je sais pas quoi prendre. Soit je prends celui-là. Soit je prends un plateau. Un gros plateau. Comme ça. Ou comme ça. Ou soit celui-là. Ça j'y verrai plus tard. Tant mieux, je prendrai celui-là, il est moins cher. Bref, on verra plus tard. De toute façon, on n'est pas encore là. Le truc, c'est pas encore bien poussé. Sans ça, on ramène à la ferme. Trouver une place, attention. Il est plein. Ouais, de toute façon, ça va, hop. Le colza, enfin, ouais, le tournesol, je vais finir en vidéo, ça. C'est pas très intéressant, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Laurier, hein. Toi. Tu vas te dépêcher à le finir. Après on plantera de maïs. Hein. Maïs en silage. Et non, pas que de maïs en silage, parce qu'il en faut aussi un peu pour les cochons. Donc autant bien la moissonneuse, elle fera aller-retour et ça sera bon. Parce qu'il faut un peu de maïs pour les cochons. Après, il faut pas oublier ça. Bon les amis, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, allez, ciao ciao.